Nous sommes le jour de la pré-rentrée. On est quel jour? On est bien le 1er septembre aujourd'hui, hein, c'est ça? Je sais même pas, mais la meuf, c'est... ça commence bien cette année, dis donc. Oui, je crois qu'on est vendredi 1er septembre. C'est le jour de la pré-rentrée. Mais moi, je suis déjà venue hier. Je comptais vloguer, mais au final, j'ai pas vlogué. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était quitté avant l'été et je vous expliquais que l'école allait être en travaux. Ils ont repeint tout l'intérieur de l'école. Donc du coup, voilà, on avait dû tout mettre en carton, tout mettre les meubles au milieu de la pièce pour que les peintres puissent avoir accès plus facilement au mur. Donc en fait, hier, je suis venue accompagnée d'un ami qui m'a aidée à tout remettre parce que vraiment, je commençais sincèrement à en cauchemarder parce que bah, y avait beaucoup, beaucoup de taf et le jour de la pré-rentrée, on va pas se mentir, on a pas forcément beaucoup de temps finalement pour ranger nos classes parce qu'on passe notre journée quasiment en réunion, préparer la rentrée, les photocopies, les blablas, les machins et tout. Et donc du coup, je me suis dit, mais je ne vais jamais avoir le temps de tout ranger. Donc je suis venue hier accompagner pour pouvoir remettre tous mes meubles en place. Mon téléphone sonne. Qui m'appelle à 8h du matin? Ma collègue! Bon, on se retrouve quasiment... Bah, une heure après, après que ma collègue m'ait appelée. Je ne sais plus du tout ce que je vous disais, mais en gros, voilà, je suis venue hier pour ranger ma classe, admirer cette peinture. Moi, je voulais du rose. Mon directeur n'a pas voulu, je comprends pas pourquoi. Donc du coup, je me retrouve avec un espèce de crème. Mais bon, c'est très bien, franchement, je suis très contente. Je ne vais pas me plaindre. C'est super, je suis contente, j'ai une classe toute propre. Là... Un carton est tombé. Là, pour le moment, dans ma classe, j'ai tout remis comme c'était avant. En fait, j'ai pas réaménagé. Enfin, voilà, j'ai tout remis comme c'était avant. Vraiment, si je veux rebouger les meubles, je ferai ça plus tard. Mais là, j'ai besoin de retrouver une stabilité, on va dire. Comme ça, aujourd'hui, programme du jour, c'est vraiment gérer tout ce qui est administratif, réallumer mon ordinateur, checker mes mails. Je vois qu'il y a déjà un affichage qui est tombé. Je suis ravie. J'ai déjà fait mes photocopies pour toute la semaine prochaine. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hier, je suis passée à Action parce que vous savez, mon tableau de comportement, là, avec les récompenses et tout ça, bah, du coup, je suis passée à Action bah, pour acheter plein de petites récompenses. Est-ce que je vous montre les récompenses que j'ai prises? Ouais, je vais vous montrer. Je vais installer le trépied. Donc, les récompenses, j'en ai eu pour un peu moins de 30 euros. J'ai pris des jeux de cartes comme ça. Alors, en fait, je vais mettre à disposition un jeu de cartes. J'en ai 6. J'ai pris plein de petits carnets comme ça. C'est des carnets bah, de coloriage comme ça. Alors, l'objectif, c'est que chaque récompense coûte moins de 1 euro. Alors, bah, Action est notre meilleur ami, bien évidemment. Hein. J'ai pris des. Or, ça, j'en ai pris que 3. Des sticker book. Donc, bah, il y a plein de stickers à l'intérieur. J'ai pris 2 trucs comme ça pour faire de la mosaïque. J'ai pris plein de petits trucs comme ça. C'est des espèces de Lego comme ça. Donc, j'ai pris une pieuvre, j'ai pris un petit chien. Une petite vache, un petit ours et une petite girafe. Pourquoi je dis petit à chaque fois, je ne sais pas. J'ai pris des bulles. Alors, pareil, je vais tout séparer. Hein. Ça sera une bulle pour la récompense. Et j'ai pris des perles comme ça. Il y en a un en arc-en-ciel, un en coquillage, un en glace et un en licorne. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais foutre ça dans le bac de récompenses. Et là, je vais vraiment m'atteler à l'administratif, préparer ma semaine prochaine. Parce que franchement, j'ai mon espèce de trieur où je fais mes photocopies. Je l'ai préparé avant les vacances. Là, je suis à la photocopieuse, j'ai tout photocopié. Mais c'est vraiment en mode, il y a des trucs que j'ai photocopiés, je me rappelle même plus à quoi ça sert, quoi. Genre, j'ai des étiquettes de prénoms. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne me rappelle plus. C'est embêtant.
Voilà, et puis alors le gros problème de ma rentrée, c'est que je n'ai pas de fichier de maths. Ça, c'est un gros problème. Je me suis complètement plantée en fait dans ma commande et j'ai pas commandé les bons fichiers de maths. Donc mon directeur était censé les renvoyer. Je sais pas si il y a un SAV qui est possible. Enfin, franchement, c'est la loose. C'est vraiment la loose. J'essaie de relativiser et de me dire qu'il n'y a pas mort d'homme, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment, c'est très chiant, clairement. C'est très très chiant. Donc là, pour le moment, ça va être en mode bah, photocopie. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, allez, je vais m'y atteler parce que là, l'air de rien, ça fait 1 heure que je papote avec mes collègues, la caméra, le blabla, le machin. Il va peut-être falloir commencer à travailler, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, allez, à tout à l'heure. À volonté, j'ai l'impression d'avoir pris 35 kilos. C'est toujours un peu compliqué quand même pour moi hein, de sortir du restaurant. Enfin, franchement, niveau culpabilité et tout, c'est un peu compliqué à gérer. J'en parlais avec un collègue ce midi et voilà. Bon, après, ça se régule sur la semaine, blablabla, blablabla, je le sais, hein, mais voilà, j'ai toujours un peu peur de reprendre du poids, etc., etc. Enfin, bon, c'est un autre sujet, mais ça fait partie aussi de ma pré-rentrée. Donc voilà. Autre chose très sympa, j'ai croisé une abonnée au restaurant et c'était vraiment très cool. Ce qui est vraiment très marrant en fait, c'est que cette abonnée que j'ai croisée, elle est enseignante dans l'école de mon fils. Donc c'est encore plus marrant. Mais du coup, voilà, ça m'a fait très très plaisir de, enfin voilà, de passer du virtuel au réel. Enfin voilà, elle a été très gentille avec moi, elle m'a fait plein d'éloges et je me rends compte quand c'est comme ça à quel point je peux vous aider. Enfin, ça me paraît fou en fait parce que moi je fais vraiment ça ouais, pour partager, pour m'amuser et tout ça et en fait je me rends compte que bah, y en a vraiment ça les aide quoi donc, donc je suis contente. En tout cas, vraiment ça m'a fait très plaisir de te voir, petit abonné, si tu me regardes. Aujourd'hui. Donc voilà, suite de l'après-midi, là on va partir en réunion avec l'équipe et ensuite je vais continuer un petit peu à ranger. J'ai préparé du coup là-bas tout ce qui est les cahiers à distribuer avec les pages de garde que je dois donner à mes élèves. J'ai trouvé ça à la poubelle. Vous savez que la poubelle est mon meilleur ami. J'ai trouvé ça, je suis contente. Je sais pas s'il y a toutes les pièces, faudrait que je regarde. Qu'est-ce qui me reste d'autre à faire? J'ai noté, vous savez, sur ma petite tablette. Faut que je revérifie l'emploi du temps, parce que comme vous savez, comment ça va? J'ai projet violon cette année. Et donc, du coup, ça me prend pas mal de temps dans mon emploi du temps. Et il faut que je vérifie si ce que j'avais mis est bien en concordance avec le planning des profs de violon. Fichier de maths, oui, je vais recevoir mes fichiers de maths, je suis contente, je suis rassurée. Et aussi, bien évidemment, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai fait des étiquettes pour mes élèves que j'ai plastifiées, etc., etc. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un élève. Je suis ravie. Donc, il va falloir que je réimprime des étiquettes pour cet élève-là, que je replastifie, etc., etc. Comment perdre du temps? On adore. Donc voilà, je vais faire ça. Là, je vais en réunion et après. J'aimerais bien terminer la journée par planter des clous là dans ma classe parce qu'en fait suite aux travaux j'ai des clous qui ont sauté mais vous voyez moi typiquement mes règles de la classe là j'avais fait un truc comme ça avec un tableau de chez Action
Bah, ils étaient accrochés bah, avec un clou. Je vais pas mettre ça avec de la pâte à fixe. Donc j'ai pas mal de trucs à réaccrocher. L'horloge et tout ça. Donc je vais voir. Et regardez, j'ai un nouveau tapis dans ma classe. Je suis trop contente. Ça apporte un petit peu de chaleur. Donc c'est cool. Bon, je vais aller à ma réunion. Et puis bah, peut-être je vous... Oula! Oula, le contre-jour. Je vais aller à ma réunion et peut-être que je vous reprends tout à l'heure. C'est la fin de la journée. Je suis fatiguée. La réunion a duré très longtemps. Il y avait plein de choses à dire, plein de choses à évoquer. Enfin, tout ce qui est service de récré, l'étude, le planning pour la cantine. Parce que nous, on est demandé en renfort sur les cantines. Donc, il y avait ça à voir. Les photos de classe, les réunions de rentrée, enfin vraiment il y a tout à... Enfin voilà, les vacances sont bel et bien finies, là, là on est en plein plein dedans. Donc du coup, bah là il est 16h30, je vais aller aider pour ranger un peu le préau parce qu'il y a encore plein de bazar après les travaux qu'il y a eu cet été. Et après je vais rentrer chez moi, je pense que je vais bosser ce soir à la maison parce que j'ai une to-do longue comme le bras, mais là j'ai pas envie de rester à l'école, j'ai envie de rentrer chez moi et faire ça tranquillement ce soir sur mon canapé. Donc je vais faire ça et puis bah, nous on se retrouve lundi, je vais continuer à filmer sur cette même vidéo, on se retrouve lundi pour la rentrée des classes de cette nouvelle année 2023-2024. À lundi! Salut YouTube! Nous sommes actuellement le 4 septembre. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Il est exactement... Quelle heure est-il? Il est exactement 7h38. Je suis arrivée à l'école un petit peu tôt parce que j'ai encore quelques trucs à faire. Bon là clairement j'ai une to-do list. Non plus finir et enfin voilà. Alors là la difficulté pour moi c'est de se dire que non je ne vais pas pouvoir finir cette to-do list aujourd'hui. Non, ça n'est pas possible. Donc tu sais c'est le truc où il faut accepter que tout va bien se passer, hein, et que si tu finis pas ta to-do aujourd'hui, bah, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Mais c'est encore un peu compliqué ça dans ma tête. Hein. Bref, surtout que. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Harmonie? Dis-nous tout! Je suis rentrée chez moi vendredi, vous savez, je vous ai dit, je vais travailler à la maison, voilà, je préfère, blablabla. Mais qu'est-ce donc ce truc qui est resté dans ma classe tout le week-end? Voilà. Je suis arrivée chez moi vendredi soir, j'avais 2% de batterie. Donc autant te dire que je n'ai pas pu faire grand-chose. Alors, j'ai quand même trouvé une solution parce que, après, comme par miracle, il y a un ami qui m'a aidé et qui m'a dit que je pouvais le charger autrement en USB-C. Donc, vraiment, bon, bah, déjà j'ai découvert quelque chose, c'était formidable. Et donc, on a pu le recharger comme ça. Mais voilà, je l'ai su assez tardivement dans le week-end et donc, du coup, je n'ai pu commencer à travailler qu'hier soir à 22h10. Est-ce que c'est à cette heure-ci qu'on prépare sa rentrée? Je ne crois pas. Mais bon, rassurez-vous, ma rentrée était déjà prête depuis un petit bout de temps. Mais voilà, j'avais des fignolages à faire, notamment bah, les étiquettes là, que j'ai oublié de faire pour un de mes élèves. Ça, il fallait absolument que je le fasse aujourd'hui. Enfin, le pauvre enfant, j'allais pas lui dire, alors j'ai pas eu le temps de faire ton étiquette, tu attendras. Donc non, non, j'ai fait ça. D'ailleurs, il faut que je les découpe ce matin et que je les accroche aux endroits qui nécessitent d'être accrochés. Et donc voilà, honnêtement, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir beaucoup vlogger aujourd'hui parce que je crois que je vais avoir beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je crois, surtout que dès ce midi, je reprends du service à la cantine. Donc vraiment, ça ne va pas être de tout repos. En tout cas, voilà, si c'est votre première rentrée, bah, tout va bien se passer. Vraiment, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On se détend, on se déstresse.
tout va bien aller dans le meilleur des mondes. Bon, moi, je vais découper des trucs. J'ai pas de photocopie à faire ce matin, mais je dois encore fignoler mon emploi du temps. Pas pour cette semaine. Oula, je suis là. Pas pour cette semaine, parce que ça, c'est déjà fait depuis belle lurette. Mais voilà pour la semaine prochaine. Oh non, mais ma frise numérique se barre déjà, quoi. Pff, oh là là. Mon Dieu. Bon, allez. À plus tard. C'est fatigant la rentrée, hein. C'est l'heure de manger. Finalement, aujourd'hui, je fais pas cantine. Et finalement, le lundi, je ferai étude. Donc, ça me fait des journées de malade. Entre la cantine que je ferai à l'avenir et l'étude le soir, je vais être rincée dès le début de la semaine. Ça s'est bien passé. Tout s'est très bien passé, la matinée est passée très vite, on a pu faire tout ce qu'on avait à faire, on a même commencé un petit peu les activités que j'avais prévues cet après-midi. Donc c'est cool, pour le moment tout va bien, donc je suis contente. Mais c'est vrai que ouais, mes petits élèves de l'année dernière, ils me manquent. C'est toujours bizarre en fait de changer comme ça d'élèves. En fait t'es là, tu sais, tu t'attaches à des enfants et puis... Du jour au lendemain, ils sont plus avec toi, t'as des nouvelles têtes. Je sais que je vais me réattacher, hein, mais c'est vrai que la transition est toujours un peu... Je sais pas, j'ai même pas d'adjectif. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je vais aller faire des photocopies, je vais aller manger et j'ai encore pas mal de travail, donc let's go. C'est la fin de la journée. Il fait à peu près 850 000 degrés dans ma classe. Fin de la journée, tout s'est bien passé. Franchement, j'ai passé une bonne rentrée. Je suis contente de ma classe, je suis contente d'avoir repris le travail. C'est vraiment trop cool. On a fait tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Dès demain, j'accueille un nouvel élève. Alors, le côté moins cool d'accueillir un nouvel élève, c'est que tu sais tout ce que tu as préparé pour tes élèves à la rentrée, eh bien, je vais devoir ce soir tout refaire. J'avais prévu, tu sais, les marque-pages, les étiquettes de responsabilité, les porte-manteaux, les décorations de portes, etc., etc. Et là, je dois tout refaire de manière nominative pour ce cher petit élève qui arrive au cas où je m'ennuyais. On me rajoute du travail, mais bon, c'est pas grave. C'est un élève qui vient du Chili, donc je suis plutôt contente parce que il y a moyen que je puisse parler espagnol avec lui. Et puis, je vais pouvoir perfectionner un petit peu mon espagnol. Donc, je suis plutôt contente. J'ai hâte d'être à demain et de rencontrer ce petit élève. Et voilà. Je sais pas trop si ce vlog a été super intéressant. En même temps, à chaque fois, je vous dis ça et à chaque fois, vous me dites que vous aimez bien. Même si, clairement, il n'y a rien de transcendant parce que je quitte même pas ma classe. En fait, je suis juste là, genre, hé, je reviendrai écrire. Hé, j'ai fait mes photocopies. Hé, je vais manger. Enfin, clairement, j'ai pas l'impression de vous dire des trucs de fou. Mais bon, bref. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bye!